Alors ma maison ici, si je vis ici, alors je vais partir, je vais à la aux librairies, je vais aller étudier. C'est ça la vraie vie d'ici pendant l'hiver. Ça, voilà les voitures, sont neigées partout, sont couvertes de neige. C'est ça la vraie vie. Il fait moins 8 degrés ici aujourd'hui. Heureusement que Vancouver, il ne fait pas tellement froid. C'est moins 8. Je vais au librairie, je ne peux pas conduire aujourd'hui pour éviter les accidents. Ils sont en train de nettoyer les routes. Certaines voitures commencent déjà à circuler. On voit les voisins. C'est comme ça. C'est ça la vie que nous avons choisie ici en Occident. C'est ça Vancouver. Les immeubles là. C'est là où il y a les trains. C'est ça la vie d'ici. Alors, quand les gens vous montrent seulement que des roses, il y a aussi ceci. Ça, ce n'est pas du sel. Ce n'est pas du sucre. Mais c'est de la neige. Ça, c'est de la neige. Les voitures. Près des portes du garage, il y a des voitures à l'extérieur, c'est ça. Mais, malgré ça, l'économie du pays marche. Il y a de la sécurité, il y a la paix. Quoi encore? Il y a la paix, il y a la sécurité, la stabilité politique, stabilité financière. Stabilité financière et je passe. Mais imaginez-vous, vous vivez comme ça, il n'y a personne à côté de toi. Ce n'est que toi, vous vous sentirez toujours lonely. Vous vous sentirez toujours seul. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, ne venez pas ici célibataire. Si vous venez ici célibataire, il faut vous attendre à ça. Surtout au mois de décembre, à partir de novembre jusqu'au mois de mars, si tu n'es pas fort, je te dis, la maison qui est comme un étage là, c'est les hôpitaux, c'est le bâtiment de l'hôpital, ça va presque un kilomètre, peut-être un kilomètre carré, deux demi kilomètres carrés. C'est ça. Il y a les gens qui circulent, il y a les bus qui font les courses. Donc la vie continue malgré ça. C'est ça la vie. Quelqu'un s'est permis de rouler en vélo. C'est ça. Il est 10h du matin. 10h du matin. Maintenant, ce sont les circulations. La librairie est juste là. Je vis presque à 200 mètres de librairie. Je vais étudier souvent. Je vais toujours à la librairie pour étudier. Je préfère étudier à la librairie. Il y a plus de, il y a des livres, il y a beaucoup de choses là, que de rester à la maison et me distraire
avec la télévision et tout ça. Encore aujourd'hui, c'est la finale de la Coupe du Monde, France et Argentine. Je ne voulais vraiment pas me caser dans des... Je ne voulais pas me caser dans des difficultés, dans des pensées inutiles. Alors je vais aller faire, je vais aller étudier parce que j'ai des examens finaux la semaine ici. Alors, c'est ça la vie qu'on ne vous montre pas. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité d'ici. Il fait tellement froid aujourd'hui. Hey, froid. Mais ce n'est pas comme d'autres provinces. C'est moins 10 degrés. Ça, c'est la réalité de la ville. Moi, je vous montre la réalité. Regarde devant moi, derrière moi là-bas. Il y a les lignes, la ligne des trains aériens ici. La réalité, il y a des voitures qui passent. Ça, la réalité. Ça, des réalités. Ça, la réalité. Fait tellement déjà. Il y a les trains, il y a la ligne de train aérien ici. La station est juste à 500 mètres, je dirais, de moi. Ici, c'était centre d'achat. Imaginez-vous vivre ici sans famille, sans oncle, sans neveu, sans tante. Qu'est-ce qu'imagine? Imaginez ça. La solitude qui tue beaucoup d'Africains. La solitude de vivre sans famille. Tu vis dans un appartement. Alors, je vais vous raconter une histoire. Il y a Mexicain qui vient de mourir juste parce qu'il vivait seul dans sa maison. On a découvert son corps une semaine après. Les voisins ont appelé la police puisque ils sentaient une odeur qui était vraiment dégueulasse. Ils ont appelé la police pour venir vérifier. Et le monsieur était mort il y a à peu près une semaine dans sa maison. Il a eu arrêt cardiaque, je pensais qu'on a dit arrêt cardiaque. Mais imaginez-vous s'il avait une personne dans la maison, une personne avec qui il partage la chambre, soit sa femme, soit son enfant. Je pense que la personne ne pourrait même jamais pourrir dans la maison. Il y aurait quelqu'un pour appeler la police, soit pour l'aider, mais malheureusement, comme... ici, je suis à côté des centres de marché. Comme la police, comme il vivait seul, la conséquence est qu'il est mort, il est pourri dans la maison. Ici, il y a beaucoup de traumatismes. Surtout quand tu n'as aucun familier et quand il fait froid, tu n'as aucune femme à côté de toi, ça fait mal. Il fait tellement moins 20, moins 30 degrés. À un moment donné, attaque humaine. Il y a un autre train qui passe. Attaque être humain, je vous dis. Des fois, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui peut t'embrouiller.
avoir quelqu'un qui va t'embrouiller, que vivre seul ici vraiment en Occident, ce n'est pas facile. Tu vas passer, personne ne te dit bonjour. Tu vas crier, personne ne te dit bonjour. C'est toi. Tu vis au départ de toi-même. On s'en fout du reste. C'est ça la vie d'ici. Et puis à cette heure-ci, il y a les gens qui vont prendre les transports pour aller au travail. Il y a les gens qui doivent aller au travail. Il y a les gens qui doivent manger. Il y a les gens qui n'ont pas de voiture. Mais ils doivent s'arranger. Ils doivent s'arranger pour aller au travail, soit pour aller faire des courses. Ça, c'est le point où on achète à manger. Si le temps me permet, je ferai une vidéo concernant les achats de la nourriture prochainement. Je vous montre seulement ici comment ça devient sale pendant l'hiver. Personne n'a envie de vivre. Les gens sont dans une sorte de dépression. Les gens sont dans toutes sortes. Les gens sont mélangés dans toutes sortes de situations. Ici, ça ce n'est pas le centre-ville. Ça ce n'est pas le centre-ville. Je n'ai pas le temps d'y aller aujourd'hui. C'est quand même conduire ces 10 à 15 minutes de ma maison. Regardez les gens.
so badly right now. I'm going home.